C'est à cette époque que parvint un décret de César Auguste ordonnant un recensement de tout l'Empire. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là-bas, le temps où Marie devait accoucher arriva. Désolée. Ne t'inquiète pas, Joseph. Tout va se passer pour le mieux. Ne craignez point, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour vous. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Mais qu'est-ce que vous attendez? Nous devons aller voir ce que l'ange nous a annoncé. Suivez-moi. Hé, hey, l'homme béni, pouvons-nous entrer? Un ange nous est apparu, nous annonçant la naissance d'un bébé. Notre Sauveur, le Christ, le Seigneur. Entrez.